Alors, Maxime, médaille d'argent aujourd'hui en taekwondo chez les moins 68 kilos. Es-tu satisfait de ta performance au jeu? Oui, très satisfait. C'est sûr que suite à la finale, on est tout le temps déçu un petit peu sur le coup parce que c'est quand même une défaite à la fin. Mais avec un petit peu de recul, après tout ça, on se rend compte qu'une médaille d'argent au niveau de toute l'Amérique, c'est vraiment bon, là. Donc, je suis très content. Puis, ça me fait quand même des points pour le classement olympique. Donc, je vais monter de quelques positions. Et puis, c'est sûr que l'objectif ultime, c'est de se rapprocher du top 6, du top 8 pour accéder à la sélection finale pour les Jeux olympiques en décembre. Et puis, par la suite, terminer dans les 6 premiers. Donc, c'est ça l'objectif. Puis, on est allé chercher des points aujourd'hui, donc je suis vraiment content. Quelques petits trucs à corriger au niveau de la tactique et puis du plan de match. Mais on a encore plusieurs compétitions d'ici décembre. On va ajouter tout ça, là. Parle-nous de ton combat en finale contre le Mexicain. Qu'est-ce qu'il fallait surveiller? C'était quoi ta stratégie contre lui? Ce qu'il fallait surveiller, c'était les coups au visage, parce que je savais qu'il avait une bonne portée. On était la même grandeur tous les deux. Donc, c'est quelqu'un qui lève le genou assez haut. Puis, quand il frappe, c'est difficile un petit peu de voir où est-ce qu'il va frapper, soit au corps ou à la tête. Donc, il faut tout le temps être à l'affût. J'étais un petit peu tout le temps vers l'arrière. Je pensais être un petit peu plus d'attaque lors de ce combat-là. Puis il a quand même frappé plus que je pensais. Donc, ça m'a rendu un petit peu fatigué par moment. Mais j'ai utilisé un petit peu le plateau pour tourner autour. Puis ça s'est bien passé quand même. J'ai fait des bons blocages. J'ai peut-être raté deux fois mes blocages. C'est là qu'il a rentré deux points. Puis à la fin, on a fait un échange. Puis ça l'a monté un de chaque côté pour finir 3-3 le combat. Puis dans la salle de dead, je pense que c'est marqué lors de ma première échange. J'ai senti que ça avait touché, mais je pense que la frappe était pas assez haute. Donc, c'est partie remise. Il y a d'autres compétitions, puis il y a des chances que je le rencontre à nouveau. En demi-finale, tu as affronté une grosse pointure, Terrence Jennings des États-Unis, 6e au monde. Puis tu l'as emporté avec un match où il y a eu plusieurs points. Comment ça s'est passé? Oui, c'est un match quand même assez intense. C'est une personne qui est capable de revenir de l'arrière, même quand il y a un bon écart, parce qu'il est vraiment intense. Puis il y a des bonnes combinaisons, il enchaîne beaucoup, puis il est capable de faire presque n'importe quel coup. Donc, puis il est très physique. Donc, c'était un match assez intense. J'ai essayé de rester solide tout au long du match, puis ça l'a bien été. Donc, je suis vraiment content d'avoir battu cette personne-là qui a terminé 3e au dernier Jeux olympiques. On est à Mississauga. La foule était derrière toi. Comment t'as trouvé ça, combattre à la maison avec une foule aussi bruyante? Ouais, la foule, c'était super. Si je peux les remercier d'une quelconque façon, ben je le fais maintenant. Là. C'était incroyable de les avoir derrière moi. À chaque fois que je rentrais sur le plateau, je sentais l'énergie. Puis ça me donnait de la force là, à chaque fois que j'allais commencer le match. Puis tout au long, ils ne m'ont jamais lâché. Donc, je suis vraiment content. C'est une belle expérience là, de vivre ça. Puis de vivre les Jeux panaméricains à la maison. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Puis j'essaie d'en profiter au maximum. Parfait, merci.